Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voilà sur Hitman. Il y a pas mal de personnes qui m'avaient demandé de faire ce jeu-là. Donc je sais qu'il va fonctionner au niveau des volets. C'est-à-dire que tous les 2 mois ou 3 mois, il y aura un épisode qui va être sorti. Donc là, je sais qu'il y en a déjà 3 qui sont sortis. Donc ça me permettra tout simplement de prendre aussi également mon temps. Parce que c'est une série que je veux vous proposer en 4K. D'accord? Parce que je trouve que le côté du jeu est tellement beau que j'ai envie de vous en faire profiter. Donc vous allez avoir un épisode une fois par semaine également. Comme ça me permettra tout simplement de télécharger... Et de faire un rendu, parce que si je vous le fais tous les jours, je pourrais pas suivre. Parce que la 4K, pour ceux qui savent pas, ça demande énormément de ressources. Il faut avoir un PC très puissant, aussi également pour pouvoir l'enregistrer. Et je vous cache pas qu'une vidéo comme celle-là, qui va durer 30 minutes par exemple, elle va me faire quasiment 30 gigas. Donc je mettrai quasiment plus de 20 heures avec une bonne connexion pour la télécharger. Donc n'hésitez pas à mettre des j'aime. Sincèrement, c'est pas tous les jours que je le fais. Ça m'arrive de temps en temps de faire de la 4K. C'est vraiment pour vous, parce que si je voudrais, je me prendrais pas la tête. Voilà, on commence l'aventure tout de suite, les amis. On commence par la base. Après, on fera Paris, on fera l'Italie, et on fera Marrakech. On commence déjà par faire... Paris, non? Vous voulez faire quoi? Je pense qu'on va faire Paris ou on va faire Lille. On va faire Lille pour l'instant. Donc, on va faire un peu le prologue. Comme ça, on va pas être perdu. D'accord, commençons immédiatement. Donc je vous laisse admirer le personnage, comment il est très réaliste, vraiment, regardez bien, c'est fou hein, quand même, hein. Les détails qu'on peut voir en fait avec ce format, ça coupait le souffle. Je pense qu'il faudra que je regagne un petit peu la plateforme, chose que je vais essayer de faire. Oh là là, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur dans le bunker? Dites-moi, ouais, c'est une porte qui va s'ouvrir. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like, taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Welcome to advanced training. Your first mission originally took place in Sydney, Australia. The target was Calvin Ritter, also known as the Sparrow. Master thief for hire, specializing in rare and priceless art. Our agent cleverly infiltrated Ritter's private yacht during a social gathering and discreetly eliminated him without any of the guests noticing. Now you will do the same. Oh, and don't worry about the training operatives. All weapons are simulated. Good luck, initiate. Ça marche. Maintenant, c'est à nous de rentrer en scène.
Donc faut qu'on s'approche de la passerelle. Jusque là, tout est bien, tout est bon. Et mon PC est en train de s'affoler là. J'ai l'impression qu'il y a une tempête dans la machine. On peut passer directement ou pas? Oui, on peut. D'accord, vous n'êtes pas autorisé à monter à bord tant qu'on n'a pas la tenue. D'accord. Je descends. Donc là, ils m'ont dit tout simplement qu'il faudrait que j'essaye de trouver une tenue à proprement dit. Donc là, je vois un comptoir. Voilà, on va passer par la fenêtre. Tiens, tiens, tiens. Justement, il y a un ouvrier. On va s'accroupir, histoire de pas se faire opérer. Ok, attaque silencieuse. Il n'y a aucun problème. Donc, maîtrise le body. On va pas lui briser le cou quand même. Hein. On va le faire endormir pour l'instant. Se déguiser. C'est bon. Maintenant, on a pris... Ah, attendez. Ils sont les toilettes? Attends, les toilettes. Ah, elles sont là-bas. D'accord, c'est vraiment... là, faudra pas que je me fasse repérer ou quoi que ce soit. Parce que j'allais abandonner le corps comme ça, moi. Nickel, c'est bon. On va tout simplement relâcher le corps ici. Personne n'a rien vu. Nickel. Ferme la porte, buddy. Pas mal du tout leur petite fête, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Donc pour l'instant, je me fonds bien dans la masse. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent aussi me détecter. Oh, ça va pas être bon, ça. On va essayer de passer discrètement. D'accord, donc là, le VIP, il est là-bas. C'est bon, on a repéré la cible. Oh, elle est jolie, elle, hein. Regarde. Non, mais sincèrement, on voit très très bien les détails. Eh ben, dis donc, c'est charmant, tout ça. Il y a quoi à l'intérieur? Je peux pas passer par là, si. Je pense que s'ils m'ont mis une porte, c'est pas pour rien. Je suis pas sûr si c'est une bonne idée, mais bon, essayons quand même. J'ai trouvé le VIP, il faut que je fasse quoi avec? Il a son garde du corps derrière, je fais quoi? Aïe aïe aïe, son garde du corps derrière carrément. Et là, ce qui est bien, c'est que le jeu il bug. Hein. Ah ouais, il est pas si stable que ça, il est pas optimisé. Ok, donc ils m'ont bien eu quand même, les petits farceurs. Donc faudra que je trouve un autre moyen de pouvoir y accéder. Ouais, il y a des jolies femmes ici. Hein. Bonjour toi. Oh, la petite maline. Bon, bref, tais-toi, body. Je peux passer. Faut qu'on se déguise maintenant en membre de l'équipage. Bonne question. Comment tu fais le truc? Attends. Regarde-moi cette beauté. Donc, on va se déguiser en membre de l'équipage. C'est aussi simple que ça. Je crois que j'avais repéré un cuisinier. Merde, il m'a eu. Non, je fais semblant. Merde, qu'est-ce que je viens de faire comme connerie? Le mec a dit, mais attends, il vient chercher des frites, mais c'est lui-même qui rentre dans le truc. Donc là, je vais essayer de le tuer, celui-là. Ah, identité compromise. Merde. Se déguiser. Parfait. Ce qu'on va faire avec le corps, on va le faire déplacer dans le congélateur. Parfait. Je reprends la clé ou pas? D'accord. Empoisonné. Ah tiens, ça peut être pas mal ça. Ah, il me manque des trucs. Mince. Bah qu'on trouve des remèdes. Bon allez, je pense que je peux y aller maintenant. Bodyguard, laisse-moi passer. Oh, ici ça bug beaucoup. En fait, il y a une zone sur le jeu où ça bug énormément. C'est bon, on arrive un petit peu. Le gars, il est bien escorté quand même. Hein.
Faut que je repère la cible et récupérer d'autres trucs qui, à mon avis, qui vont me permettre de la neutraliser tout en discrétion. Ah, tiens, le VIP, il est là-bas maintenant. Mais bon, Body, oublie pas qu'il y a toujours son garde du corps. Hein. Ouais, tu vois, il y a toujours son garde du corps. Allez, on va bosser un peu dans le bar. You don't have to retire just because you leave the field. Most great players simply become managers. You're recruiting. Now you're catching up. This sparrow cannot die. You're not a superhero, Calvin. They don't exist. Not with that attitude, they don't. Mr. Norfolk, so good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no thank you. No. Not before six. My wife is very insistent about that. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Yes, please. Lead the way. On va essayer de le suivre maintenant. Son garde du corps est là. Merde, il le suit toujours. Ok, attends. On va la jouer en mode VIP comme je le fais d'habitude. Le bodyguard va pas s'approcher trop longtemps de lui. Ah, mais il en a pas qu'un seul. Il en a pas qu'un seul de garde du corps body. Faut que je me déguise dans, en autre. Ouais, d'accord, c'est les mêmes. Hein. Infiltrez-vous dans le bureau. Bonne question. Et comment tu t'infiltres, à mon avis, par la fenêtre? Oui, j'ai compris. T'es le bodyguard, tu protèges la porte. Y'a pas de problème. Le VIP est en sûreté, je sais, je sais. Comme j'explique toujours, le garde du corps fait mal son boulot dans le jeu. Comment ça, il fait mal son boulot? Il n'a pas surveillé le VIP de près. D'accord, ça sauvegarde automatiquement. Emplacement, vas-y, hein. C'est bon. Not just a reactor, Mr. Ritter. It's more of a revolution. Oh God, oh no! I could kill you, Nova. Be advised, initiate. ICA clients rely on our discretion and do not expect collateral damage. Command, looks like there's your a target is down. There. Now head towards an exit. What the? Merci pour le flingue. On va se déguiser en quoi? En garde du corps ou pas? Je vais me déguiser avec lui, moi. Voilà, moi je trouve que ça fait beaucoup plus propre. Par contre, comment tu ranges le flingue, body? Ouais, faut que je range le flingue. Je l'ai lancé, ouais, je l'ai lancé. Normalement, j'ai pas de soucis là. Sinon, c'est que je me suis très mal pris. Mon identité n'a pas été compromise. Voilà. Faut pas qu'il m'oublie de me dire au revoir, monsieur. On va s'en sortir. Indemne, je pense. Bien joué, agent. 0-0. On reprend la voiture. Challenge complete. Good work, initiate. Did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They can only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint, it could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one. Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show.
Welcome back, Initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. Oh, ok, là je vois qu'on a pas mal de trucs à faire. Attends, je regarde vite fait. Donc ça c'est l'entraînement libre, donc je peux repartir à tout moment. Non, c'est ce que je pense qu'on va faire, parce que ça, à mon avis, ça doit s'enchaîner à l'infini. Donc voilà les amis, donc je pense qu'après on va se retrouver pour la prochaine mission à Paris. Voilà. Et après en Italie, et après à Marrakech, au Maroc. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Prenez soin de vous. Hein, monsieur agent 00. Parce qu'on aura pas mal de possibilités de l'assassiner comme on a envie en fait. C'est plutôt bien ça. Donc les défis sont là, regardez bien. On peut l'assassiner comme ça. Soit on peut faire des générateurs. En fait, on avait pas mal de petits trucs qu'on avait déjà voulu essayer. Après, c'est à nous de choisir ce qu'on veut. Donc, je veux pas tous les faire parce que l'objectif, c'est de tous les faire dans ce prologue, je pense. Donc, voilà. Donc, je pense que on se retrouve juste après. A tout à l'heure, les amis. Parce que la vidéo va être super longue à mettre sur YouTube. A plus tard. Voilà, les amis. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Également, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne YouTube, vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes un petit peu plus curieux et vous avez envie de savoir un petit peu plus de choses qui vont arriver sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Tous les liens seront dans la description. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. A bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Gros bisous.